Yo tout le monde, c'est Gou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la quatrième fois que j'essaie de tourner la vidéo sur l'avancement de Crafton Resort, le parc d'attractions. Alors, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes Pico, Gou, moi, et XPP qui sont dans la description de cette vidéo-là. Sans plus attendre, n'hésitez pas à aller rejoindre la communauté Crafton Resort Park sur PS4. N'hésitez pas à me poser la vidéo pour savoir comment vous l'avez écrit. Ici, vous avez les trois bâtiments qu'on a fait cette semaine pour compléter l'allée ici principale. On a comme fait deux araignées sur les côtés. Si vous me demandez c'est quoi ces deux araignées. Ici, t'as comme la tête de creeper, j'appelle moi, cette bâtisse-là. Parce qu'elle ressemble un peu à une tête de creeper. Ici, cette belle attraction, ce beau mur-là. Donc, en fait, on a juste copié ce mur-là et on l'a remis là. Ça, je trouve qu'il fait un peu beau. Il fait beau, je trouve. Ensuite, on va aller passer en arrière ici. T'as les beaux arbres en arrière de ça pour camoufler. T'as la wooden qui a été finie. Avec les trucs, le toit, les barrières de karaté l'eau. Elles sont très belles. D'ailleurs, la petite bâtisse. Ici, on a karaté l'eau qui fait l'attraction bleue. Alors, je vous laisse avec le point de vue de haut de elle qui l'a fait. Cette attraction, elle a été créée au moment où je tourne la vidéo, hier. Et cette attraction a été faite par XYPVP, une petite attraction pour enfants. Qui disait, oh, il n'y en a pas bien, ben, puis là, il a voulu en refaire une. Fait qu'on a refait une ici, une attraction qui a voulu faire. Celle-ci, c'est le Space Mountain, on est en train de travailler dessus. On va aller voir que le chemin, il va être posé devant en fait. Les trucs en lapis lazuli, ça va être des bâtiments. Et le truc en émeraude, ça va être le chemin. Comme vous voyez. Ici, on a les deux boutiques. On a deux boutiques. Une boutique que j'ai faite, une boutique karaté bois faite. La première boutique, c'est moi qui l'ai faite ici. On vend 4 objets seulement. Une petite boutique. D'ailleurs, les baraques Caratello a fait cette semaine. Et la deuxième boutique, c'est sa boutique à elle. Qui est très. On a cité deux boutiques très petites. Ici, on a la Red Coaster. L'attraction qui est rouge, faite par Caratello. D'ailleurs, qui est très très belle, l'attraction. Le pont. Ici, comme d'habitude. Ici, on a le Rock'n'Roll Coaster. Can Roller Coaster de Pico. J'ai la misère à prononcer son nom, c'est très détaillé comme nom. Ici, les belles façades de Pico. Et alors, Pico qui est là, qui me dit salut. Et qui fait la belle façade ici, très mignonne. J'adore. En construction, elles sont très belles ces façades par contre. Ici aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. C'était Gou. On se dit à plus tard.